Bonsoir, c'est un réel plaisir aujourd'hui de présenter ce premier atelier qui va être suivi d'une longue série d'ateliers pour parler des métiers qui vont certainement aider nos jeunes qui viendront nouvellement d'arriver, qui vont arriver nouvellement sur le territoire français. Et nous avons décidé au sein de l'association de faire ce type d'atelier pour parler des métiers. Et ça va être co-animé par des ressources des personnes que nous avons au sein de l'association et aussi à la longue éventuellement inviter des partenaires de l'extérieur pour qu'ils viennent nous parler de certains métiers. Le but c'est très simple, c'est de vous présenter des métiers que demain vous pouvez être appelé à pouvoir exercer dans ça. Nous allons parler des avantages, des inconvénients des métiers. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter, d'animer l'atelier d'aujourd'hui pour vous parler du métier de la sécurité. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui, vous parler du métier de la sécurité. C'est un métier qui fait, comme je dirais, c'est un métier qui n'est pas régi par le code du travail, il est régi par le CSI, le code de la sécurité intérieure. Donc nous sommes, les agents de sécurité sont sur la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et quand on parle du code de la sécurité intérieure, c'est plus précisément le livret 6, ce métier est encadré par le livret 6. Et d'où l'importance de ce métier. Donc pour exercer dans ce métier, il y a des critères, il y a des conditions à remplir. Et quand on parle des métiers de la sécurité, c'est très vaste. Nous avons la surveillance humaine, nous avons la surveillance avec système électronique, mais je viens ici vous parler plus précisément d'agents de prévention et de sécurité. C'est un métier, pour vous pouvoir exercer dans ce métier-là, il faut faire une formation. Et au bout d'une formation, vous allez obtenir un titre. Le TFP-APS, avant on appelait ça le CQP, maintenant c'est le TFP-APS, dont titre à finalité professionnelle, agent de prévention et de sécurité. Quelles sont les conditions d'accès à ce métier? Avant d'arriver aux conditions d'accès à ce métier, j'aimerais vous parler des avantages et des inconvénients, parce que c'est ça qui est le plus souvent important. Quels sont les avantages de ce métier? Je vais à la fois vous parler des avantages et des inconvénients. Premièrement, c'est un métier qui demande beaucoup, qui demande l'aptitude physique. Parce que oui, ça demande l'aptitude physique parce qu'il y a certains, vous allez être appelé à faire des vacations de 12 heures. Ça demande aussi, concernant la rémunération, c'est pas tellement payé. Et c'est aussi payé à la fois. Je vais vous expliquer. C'est au SMIC. Il est payé au SMIC. Mais si vous avez la disponibilité aussi, vous pouvez gagner énormément dans ce métier. Vous pouvez gagner énormément dans ce métier. Donc, aptitude physique, disponibilité, ce qui va vous amener à une rémunération aussi conséquente. Et l'avantage aussi dans ce métier, c'est que vous pouvez tout simplement décider, bon voilà, moi je signe avec ou telle entreprise, je signe un contrat de CDI, je me mets à mes 35 heures, et parallèlement, si vous avez une autre activité, vous pouvez exercer une autre activité, parce qu'en 3 jours, vous pouvez faire vos 35 heures de vacation à 12 heures, fois 3, vous voyez que vous dépassez énormément déjà les 35 heures, et vous pouvez faire d'autres métiers à côté. Mais si vous souhaitez gagner plus, vous pouvez dire, bon voilà, moi je veux gagner beaucoup plus, je vais faire encore d'autres boulots, peut-être d'autres missions avec une autre entreprise. C'est aussi l'avantage de ce métier. Et en une semaine, vous pouvez faire facilement 70 heures de boulot. Et si on fait, donc c'est pour ça que je disais, c'est payé au SMIC, mais vous pouvez facilement gagner le double du SMIC, si vous êtes quelqu'un de travailleur. C'est un métier aujourd'hui, dès que tu as ton diplôme, si tu n'es pas fainéant, tu as ton CDI à la clé.
il y a de la demande. Et dans une ville comme la nôtre, dans la salle, il y a des militants qui sont agents de sécurité qui ne vont pas me dire le contraire. Dans une ville comme la nôtre, ici à Nîmes par exemple, il y a le festival. Constamment, il y a le festival à Nîmes. Vous pouvez être appelé à travailler aussi même dans des villes voisines, Marseille jusqu'à Lyon. Donc il y a autant d'opportunités dans ce boulot-là. Pour qu'on résume très simplement, disponibilité, aptitude physique et la rémunération suivra après. Quelles sont les conditions pour pouvoir exercer ce métier? Voilà alors le nœud du problème. C'est un métier qu'il faut, pour pouvoir exercer, il faut déjà premièrement avoir un titre de séjour avec autorisation de travail. Ne pas avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si on vous a un jour déjà notifié une OQTF, ça va être difficile pour vous de pouvoir exercer ce métier. Quand je dis, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, le temps de pouvoir obtenir les papiers, un jour peut-être lors d'une demande ou bien d'un contrôle de police, il s'est fait contrôler et on l'a notifié une obligation de quitter le territoire. Mais par la suite, il a pu obtenir son titre de séjour. Si il veut exercer dans ce métier, ça va être un peu compliqué. Il faut aussi justifier de 5 ans de régularité sur le territoire français. Quand on parle de 5 ans, dire de régularité et non d'irrégularité. Donc ça veut dire que tu as un titre de séjour, par exemple, pour quelqu'un qui arrive ici en France, il est arrivé, il a fait 5 ans en situation irrégulière, il n'avait pas de titre de séjour. Au bout de sa 6e année, il obtient son titre de séjour, il ne pourra pas prétendre à cette formation. Mais s'il a eu son titre de séjour et qu'il peut justifier qu'il est sur le territoire depuis 5 ans en situation régulière, il peut avoir accès à cette formation. Il y a aussi le casier judiciaire. Quand vous voyez déjà un métier qui est régi, qui est encadré par, qui est sur la tutelle du ministère de l'Intérieur, ça demande déjà une probité morale. Donc toi, futur agent de sécurité, j'espère que parmi vous, nous allons avoir des futurs agents de sécurité, il faut avoir une probité morale exemplaire. Parce qu'on regarde le casier judiciaire. Si vous êtes ici en France, ça fait déjà des années. Par exemple, ceux qui ont fait déjà 10 ans sur le territoire français, étant étrangers, ils peuvent justifier d'un casier judiciaire bulletin numéro 2. Et si vous êtes là 5 ans, il va falloir faire venir votre casier judiciaire du Cameroun, bon, de votre pays d'origine. Hein. Donc, il va falloir, parce qu'on vérifie, ils vont prendre votre dossier, comme je disais, on fait une demande préalable auprès du CNAPS. C'est quoi le CNAPS? C'est le Conseil national des activités privées et de sécurité. Ce sont eux qui, c'est cet organisme qui régule, qui vérifie. Est-ce que M. X est à même de pouvoir faire cette formation? Et quand il reçoit tes dossiers, il vérifie tout ton parcours, tes antécédents et autres. Si tu as eu un petit souci avec la justice ici, on te refuse l'autorisation préalable. Donc c'est quand ils donnent leur accord que vous avez accès à la formation. Et après la formation, si vous avez obtenu votre diplôme, vous révélez encore auprès de l'organisme là pour leur demander la carte professionnelle. Donc c'est un métier vraiment, c'est plus comme à l'époque où c'était un peu désordonné. Aujourd'hui, c'est mieux structuré. Casier judiciaire, 5 ans de présence sur le territoire, ne jamais avoir fait objet d'une obligation de quitter le territoire, avoir un titre de séjour avec autorisation de travail. Et il y a une bonne nouvelle que j'aimerais aussi partager avec vous. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent d'ici là, dans quelques mois. Le ministère de l'Intérieur, ils ont décidé de créer une carte professionnelle suivant grand événement. Et là encore, les conditions sont un peu plus... sont moins exigeantes, surtout au niveau de l'ancienneté sur le territoire, donc 5 ans de présence sur le territoire.
conscient, ils ont besoin de près de 12 000 agents de sécurité pour pouvoir couvrir l'événement. Donc, ils ont besoin des agents de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que, en exigeant aux étrangers 5 ans de situation régulière sur le territoire, c'était un blocus. Ils ont ramené maintenant, ils ont enlevé ce critère-là. Donc, ça veut dire que si parmi vous, il y a des personnes qui ont un titre de séjour en cours de validité avec autorisation de travail, peuvent avoir accès à cette formation. Ça ne va pas vous donner l'autorisation de travailler dans tous ces métiers comme quelqu'un qui a un titre de séjour, TFP, APS. Vous ne pourrez qu'exercer lors des événements festifs, par exemple des manifestations de football et autres là. Vous ne pouvez qu'exercer dans ce type de métier. Et la bonne nouvelle encore, ils ont décidé de donner, parce qu'au départ, la carte là était valide une année. Ils ont décidé de la prolonger pour 5 ans. Donc voilà une aubaine. Au bout de 5 ans, vous pouvez décider, bon voilà, moi je peux faire une formation complémentaire pour avoir maintenant le titre professionnel TFP-APS qui va vous permettre d'exercer comme faire du gardiennage et bien d'autres. Donc, il y a l'occasion aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous d'avoir une carte, de faire une formation surveillance grand événement. C'est simple, même les étudiants, on donne aussi l'opportunité même aux étudiants hein, de faire cette formation. Donc, si parmi vous, il y a des étudiants, c'est simple, vous allez vous inscrire à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Maintenant, c'est France Travail, hein, c'est plus Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. Vous allez vous inscrire en tant qu'étudiant. Cette formation, elle est rémunérée. Mais c'est pas beau. On vous forme, on vous paye encore. La France, elle est... Vous allez, on vous forme, mais vous êtes rémunéré par la région. Et vous pouvez, étant chez vous, faire cette formation. Donc, il y a des centres de formation qui vont vous faire des formations à distanciel. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a des étudiants, ils doivent fréquenter. Donc, vous pouvez faire cette formation et gagner beaucoup d'argent pendant les Jeux Olympiques. Oui, il y a beaucoup d'argent qui s'est fait dans ce métier. Si vous êtes disponible, vous pouvez gagner 3 500, voire même plus. Mais si vous voulez juste gagner le minimum, vous pouvez gagner vos 1008, 2000 dans ce boulot. Donc, il y a l'occasion de pouvoir saisir l'opportunité, soit en faisant une formation surveillance grand événement, ou bien, si vous remplissez les conditions pour faire une formation d'agent de sécurité, TFP-APS, vous le faites, c'est une formation complète. Vous allez être vraiment complet et on va vous appeler, vous allez être sollicité. Il y a un CDI à l'appui, il y a du boulot, il y a de la demande. Donc voilà, aujourd'hui, je venais vous parler de cette formation et tout en espérant que vous allez pouvoir, ça va vous permettre de vous projeter. Le plus important est d'avoir, de connaître ce qu'on souhaite faire. Parce que si vous allez demain, vous avez votre titre de séjour, vous allez demain voir une conseillère. Je veux faire la question qu'elle va vous poser. Qu'est-ce que vous savez faire? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous n'avez jamais exercé un métier structuré ou bien un métier bien précis dans votre vie, il va falloir lui faire une proposition. Parce que c'est à partir de votre proposition qu'elle peut vous mieux, elle peut mieux vous orienter, mieux vous conseiller. Mais si vous venez déjà avec une idée, oui, madame la conseillère ou bien le conseiller, je veux faire cette formation parce que il y a des opportunités, vous donnez des arguments. Elle va aller sur cette base pour vous positionner sur une formation. Donc, c'était un peu ce qu'on devait, je devais vous passer comme message concernant le métier de la sécurité, d'agent de prévention et de sécurité. Je vous remercie. Oui, il y a une question. Oui, je réponds. Je suis disposé à répondre à vos questions. Hein. Oui, vous avez Achille. Alors, je voudrais juste avoir quelques précisions. Peut-être que je me trompe, mais
Il me semble que la durée légale du travail en France, c'est 35 heures. Donc, est-ce que ça ne cause pas problème de pouvoir aller à 60 heures, 70 heures, comme vous l'avez évoqué là tout à l'heure? Parce que, étant donné que la durée légale du travail en France, c'est 35 heures. Oui, c'est vrai, la durée légale, c'est 35 heures, mais vous pouvez aussi aller même jusqu'à 52, comme ça, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller jusqu'à 52. Le plus souvent, quand on demande... C'est la même entreprise. 56. Voilà. Donc, vous pouvez aller même jusqu'à 56. Et, comme je disais tantôt à la séance, oui, vous pouvez exercer, avoir un CDI avec une entreprise et faire d'autres vacations avec d'autres entreprises. C'est la beauté de ce métier. Donc, vous pouvez faire vos 35 heures avec l'entreprise Y. Vous allez encore faire 35 heures avec l'entreprise X. Donc, ça ne va pas nuire. Mais je dirais aussi que demain, si vous voulez demander la nationalité, ça peut causer un problème. Parce qu'on a vu, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi pour me demander des conseils. Leur demande de nationalité, de naturalisation a été ajournée pour seul but parce qu'ils ont trop travaillé. Donc il faut le dire, nous sommes jeunes, vous êtes jeunes, nous tous nous sommes jeunes. Quand je regarde à l'Assemblée, on a encore la force pour la majorité de nos jeunes que nous accompagnons au sein de l'association, n'ont pas encore de responsabilité familiale, donc la disponibilité ils peuvent avoir. Mais faites attention, si vous demandez la nationalité, ça peut être un motif d'ajournement parce que vous avez trop travaillé. S'il y a une autre question, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, mais merci. Et j'ajouterais même encore sur le fait d'avoir trop travaillé là, que c'est peut-être, c'est même pas simplement pour la nationalité, pour la demande de la nationalité. Il faut faire très attention parce que l'être humain a besoin de se reposer. Voilà, c'est et ça. Surtout que quand en plus vous travaillez, vous couvrez des risques de santé et qui impactent sur d'autres organismes. Donc c'est pour cette raison que pour être lucide et être performant dans votre boulot, donc mieux pratiquer votre boulot, vous devez vous reposer. Même si vous avez la capacité de faire 100 heures, on vous exige un certain nombre de temps parce qu'on estime que c'est ce qu'il faut pour un individu qui doit faire à 100% de ses capacités son travail. Il a besoin du repos. J'ajouterais aussi de faire attention parce que, s'il vous plaît, j'ajouterais aussi de faire attention par rapport au type de contrat parce que la loi également interdit d'avoir deux CDI. De fait, par exemple, s'il y a 35 heures dans votre boîte et que vous partez chercher 35 heures dans l'autre boîte, vous pouvez le signer, hein, mais je pense auprès de la loi, s'il y a un souci, vous n'êtes pas dans le vrai. Comme tu viens de préciser, c'est clair, la loi interdit de signer deux CDI. Mais vous pouvez avoir un CDI dans la société Y et vous allez signer un CDD dans la société X. Mais pourquoi j'ai bien précisé, parmi nous, il y a des jeunes. On est encore jeunes, on peut aller à fond, mais à un moment, il va falloir lever le pied pour préserver la santé. Il va falloir lever le pied pour préserver la santé. Je donnais juste les atouts du métier. Pour ceux qui se sentent, c'est pour ça que j'ai parlé de l'aptitude physique. Ceux qui pensent que le corps peut pouvoir répondre davantage, ils peuvent aller à fond, travailler un peu plus d'heures. Mais à un moment, il va falloir lever un peu le pied parce que le corps finit toujours par lâcher. Donc c'était un peu ça. Donc, nous allons arriver au terme de cet atelier. Vraiment, merci de m'avoir prêté attention. Merci.